elle galère elle hein. Manque de puissance évidente. C'est compliqué. Ah, il y a un rétro à remettre là. Ah, bonjour. Est-ce que je peux te remettre ce rétro, mademoiselle? Attends, bouge pas. Allez. Ah, c'était chaotique. Oh là là, le rétro, le... Putain, mon gars, j'étais pas bien. Allez, on se casse. Vite. Bon, on m'a lâché un petit pouce bleu. C'est la récompense. En fait, je suis juste là quoi, tu vois, genre coucou, je suis là. Ouais, tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Voilà. Tu sais, les gens ils tournent comme ça, sans clignotant, sans rien, genre full balèque. C'est normal. Il n'y a plus de respect dans cette ville. Donc on part sur un interfile de type interfile. Et je sais pas quoi faire là, c'est la pression la plus totale. Merci beaucoup. Le mec était pas bien. Ah, il fait un de ces froids les amis, je vous dis pas. On va faire... Il fait au moins 8000. Donc on va faire bien gaffe parce que ça doit bien glisser sur les pavés de mort comme ça là. Mais j'étais pas prêt ce matin, quand je suis parti j'avais la goutte au nez frérot. Je suis sûr que tu la connais celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Je crois qu'elle a pas compris là. J'ai l'impression qu'elle branle hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait putain? Mais c'est le pire endroit du monde pour faire demi-tour. Vieille cruche. Ah oui, alors vous êtes beaucoup à me demander du coup qu'est-ce que c'est que ça? Alors comme je réponds souvent la même chose, donc cette partie là c'est un support de la marque Easy Rider si je dis pas de conneries. Donc tu vois, moi j'ai un Samsung S8. Et tu vois, il rentre pile poil dedans. Même un GPS TomTom peut rentrer dedans. Franchement, c'est un super produit. Donc en fait, si tu veux, moi je suis pas sponsorisé par la marque, mais vu qu'on me pose souvent la question, que ce soit des mecs en sportif ou quoi, donc moi j'ai un guidon bracelet, forcément. Donc en fait, si tu veux, c'est juste, c'est des bandes de velcro que tu peux voir ici. Alors je sais pas si tu verras bien, parce que, attends, tu sais ce qu'on va faire. Voilà.
Voilà, tu vois. Ça, c'est des bandes de velcro que tu mets tout autour. Pareil, tu as du velcro juste ici. Et tu as une bande de velcro qui se situe juste là. Hop. Tu vois. Et tu fais le tour. Tout con. Et après, bah, ça tient plutôt bien, tu vois. Donc, tu t'en sors pour 40 balles à peu près. Ouais, 40-45 euros. Et tu vois, ça tient bien. Donc, j'avais ça sur mon SV, j'avais ça sur mon CBR et sur le Gex, j'ai remis la même chose. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli, mais je peux te dire que c'est hyper pratique. Donc, voilà. Donc, c'est la marque Easy Rider. Je pourrais pas te donner le modèle, mais je sais qu'il a déjà 2-3 ans et il tient encore bien la route. Donc, la fermeture éclair est plutôt de bonne qualité. Donc voilà, moi c'était ce que j'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté chez Techno Globe ou Daffy Moto, si je dis pas de conneries. Donc tu me narres juste support téléphone Easy Rider et tu devrais trouver le modèle que j'ai actuellement. Voilà, voilà. On va faire attention, j'ai pas trop envie de crever. Donc c'est là, ouais, l'Arc de Triomphe, effectivement, elle avait bien été. Bon, ça, je vois qu'ils l'ont nettoyé, mais on voit qu'il a été. Il y a encore des traces de tag. Ouais. C'est-à-dire que c'est le bordel ici. Et que ça va être le bordel sûrement demain. Parce que, ouais, là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le vendredi 13 décembre, je crois. Le 12 ou le 13. Donc, on est juste avant l'acte 5 des Gilets jaunes. Donc, là, on voit qu'ils ont réouvert aux touristes. On va redescendre la ville de la Grande Armée pour voir le T-Max et tout. S'ils ont pu réouvrir. Je sais qu'ils s'étaient fait piller eux, mais genre comme des sales. Donc, on est Grande Armée là. On a réussi tant bien que mal. Alors, genre scooter, Paradise, nanani, Suzuki MFC, Intermarché, ok. Le Ducati. Oh, le Ducati, il a pris cher aussi. Oh là là. Ah ouais, le Ducati, il a pris vraiment cher. Le Triumph, il a pas trop pris cher. Bon, ils ont mis des... Après, ils ont mis les... des grosses bâches, enfin des gros panneaux noirs pour pas se faire vandaliser quoi. Electric Mobility pareil, ils ont mis des gros planches de bois. Fait bizarre d'être ici alors que la semaine dernière c'était le Zbul. Et aussi ils ont mis des grosses planches de bois là. Ça va être encore le bordel demain. Classe croûte, bah eux, full balèque mon gars, trop serein les mecs. Ah voilà, le T-Max, c'est ce qui m'intéressait. Bah le T-Max honnêtement on dirait il a pas pris cher en vrai. Hein. Ouais, on dirait qu'il a même pas pris cher quoi en vrai. Moi ouais, je m'attendais à pire et au final ça va. Enfin ça va. J'aurais pas aimé être à leur place non plus mais bon. Ça se voit qu'ils ont reconstruit un petit peu l'aventure mais franchement je m'attendais à ce que ce soit vraiment vraiment pire quoi. Donc bon on verra bien ce qui se passera demain avec les gilets jaunes hein, en espérant qu'il n'y aura pas de mort quoi. Et je contente l'interfile avec la police ou pas. Franchement je le sens pas trop. Non vas-y on va pas faire les bâtards là. Ah c'est bon ils sont mis en mode vénère là. Putain j'aurais dû passer à droite, j'ai été une bite. Ouais là c'est intelligent parce que plus personne passe maintenant. Voilà, voilà voilà. On adore. Donc toi ça sert à rien que t'avances parce que du coup tu passeras pas plus que moi. Voilà voilà. Comment tout le monde est baisé. Hyper intelligent là vraiment. Et moi j'adore parce que je suis spectateur de tout ça. Tu vois, genre, voilà. Mais bon on peut y aller. Cool. Allez go. Ah mais il est chaud lui. Mais les gars, vous êtes complètement barge. Putain, mais non, mais sans déconner, le mec, il a avec sa main, quoi. Alors lui, il était magnifique, lui. Alors lui, il était magnifique avec sa meuf, là, franchement. Putain, mais gros, mais d'où t'emmènes ta meuf sur le rond-point de l'étoile à pied, genre. Il y a un truc que je comprends pas, là, gros. Franchement, là, faut m'expliquer. Tu sens que ton aiguille, elle pue la connerie, tu vois. Déjà, c'est dangereux, en plus, elle pue la connerie. Et le mec, il tirait sa meuf, genre, allez, viens, 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 fais-moi confiance. Mais meuf, mais quitte-le ce mec. Il va t'amener que des conneries là. Oh là là. Allez, bien vu, s'il te plaît. Putain, un mec s'en bat les couilles gros. Ah ouais, les mecs s'en battent les couilles, mais d'une force, laisse tomber quoi. Bonjour mademoiselle, bonjour, vous êtes bien charmante. Ça vous dirait une classe à la menthe. Oh, tu m'as défoncé les yeux.
Ah vas-y là, arrache-toi avec ton flash de mort là. Je pourrais même la retourner tellement j'ai de force. Hein? T'as vu quoi? C'est ça, c'est un caddie ta voiture. C'est n'importe quoi. Ah ça te fait rire hein. T'attends ton amant? Ouais c'est ça ouais. Bon allez moi j'y vais. Du futur mon gars.